Mais beaucoup plus au sud, à l'autre bout de l'Éthiopie, la guerre de l'Ogaden a jeté vers Djibouti et la Somalie des flots de réfugiés. Ils sont 1 500 000, dont plus de la moitié n'est même pas cantonnée dans des camps. Réfugiés oubliés d'une guerre oubliée que Victor Galland nous montre maintenant. Près d'1 500 000 réfugiés ont déjà traversé cette frontière. Et l'exode se poursuit à la cadence de 1 800 personnes par jour. Encore plus pauvres que les nomades, ils fuient l'Ogaden, cette province que se disputent depuis plus de 20 ans l'Éthiopie et la Somalie. Tout leur paraît préférable à la domination des Éthiopiens et de leurs alliés soviétiques et cubains. Pourtant, dès leur arrivée, ils sont répartis entre une douzaine de camps qu'ils ne peuvent quitter sans autorisation. Et cela s'explique par le fragile équilibre économique des pays d'accueil. Il y a déjà plus de 30 000 réfugiés dans les camps de Djibouti, pour une population totale de 350 000 habitants. Plus de 600 000 dans les camps somaliens, pour 5 millions d'habitants autochtones. Tous les autres, bien plus nombreux, se sont dispersés dans la nature. Malgré cet afflux, personne n'est jamais refoulé, quelle que soit son ethnie ou sa religion. Même des Éthiopiens, chrétiens, opposés au régime d'Addis Abeba, ou des Érythréens du Nord, reçoivent le même accueil que les frères somaliens de l'Ogaden. La Somalie n'a pas de revendication territoriale. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons encore. Mais il y a un lien entre nous et le peuple envers lequel nous avons des obligations morales. Nous sommes opposés à toute forme de colonialisme. Nous ne voyons donc pas pourquoi nous n'apporterions pas notre aide à ce peuple qui est d'origine somalienne. Mais tout ce que nous pouvons lui apporter, c'est une aide humanitaire et un appui diplomatique, comme nous le faisons d'ailleurs pour les réfugiés. Ces gens n'auraient pu survivre depuis plus de 2 ans sans une aide de l'extérieur. Heureusement, elle existe, mais les pays d'accueil sont obligés d'apporter une contribution dont le fardeau se fait de plus en plus sentir. Djibouti, c'est un pays pauvre qui aide les pauvres. Le gouvernement estime à 30 000 le nombre total de réfugiés. L'aide internationale s'adresse actuellement à un nombre de 14 000 réfugiés. Et donc il y a là un nombre de 16 000 personnes qui sont éparpillées à travers la ville de Djibouti et qui vivent de la solidarité de l'habitant. À l'instar du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, de nombreuses organisations internationales accomplissent un travail remarquable. Peu d'Européens connaissent sans doute l'importance de la contribution qu'ils apportent par le truchement de la communauté économique européenne. Des vivres, des médicaments, du matériel de toutes sortes sont livrés au gouvernement qui en assure la répartition. Dans les camps, les responsables s'efforcent d'établir et de faire respecter un certain règlement. C'est l'approvisionnement qui leur pose naturellement le plus de problèmes. L'eau est souvent livrée de très loin par des camions-citernes et sa distribution est l'un des moments importants dans la vie quotidienne de ces déracinés. Il en est de même pour les produits alimentaires. Des rations bien précises en calories et en protéines ont été déterminées par les autorités. Mais bien souvent, elles ne peuvent être assurées soit parce que les stocks ont été épuisés plus rapidement que prévu, soit faute de moyens de transport. Alors, on voit apparaître de ci, de là des petits marchés. Les femmes y vendent des produits traditionnels qui, sans aucun doute, ont été troqués contre les rations officielles. Attention !
Le reste de la journée est consacré aux diverses activités d'un village normal. Les femmes construisent ou réparent les toukouls, ces huttes traditionnelles des nomades, recouvertes de cartons, de chiffons, au mieux d'une natte ou d'une toile de tente. Quand elles ont la chance d'avoir suffisamment d'eau, elles font de la lessive, aidées par les filles. Les garçons, eux, à partir de 5-6 ans, sont embrigadés et on peut les voir défiler au pas cadencé en exécutant des hymnes à la gloire du pays qui les a recueillis et des valeureux partisans qui poursuivent le combat dans leur patrie. L'enseignement, quand il existe, se limite bien souvent à l'école coranique. Les hommes sont peu nombreux. Ils sont restés quelque part dans l'Ogaden, à lutter contre le nouveau colonialisme noir. Pourquoi est-il parti d'Éthiopie ? Ils ont été chassés par la guerre. Il est venu ici avec sa famille ? Oui, il est venu avec sa famille. Il a combien d'enfants ? Il en a 4. Il travaille ? Il est dans le camp, il travaille aux travaux qui ont lieu dans le camp, la construction des écoles, de Toukou, les travaux qui sont dans le camp. Est-ce qu'il voudrait retourner dans son pays ? Je ne souhaiterais pas retourner tant que les colonialistes sont là. J'y retournerai peut-être un jour si ma terre natale est libre. Un autre problème grave est celui de la santé. La mortalité est importante, surtout dans les camps de transit, où les réfugiés arrivent exténués après de longs parcours dans le désert. Les enfants souffrent de malnutrition. Ils sont déshydratés, réceptifs à toutes les maladies. Les épidémies de malaria, de rougeole, d'hépatite et même de simples bronchites font des quantités de victimes quand l'hôpital se limite, dans le meilleur des cas, à une tente et les médicaments à l'aspirine. Le tétanos n'a jamais cédé, même devant beaucoup de bonne volonté et un peu de mercurochrome. Les médecins, tous volontaires, font des prodiges avec des moyens qui étonneraient bon nombre de leurs confrères européens. Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez dans le camp ? Essentiellement des problèmes d'approvisionnement en médicaments, des problèmes de malnutrition. Il faudrait qu'il y ait suffisamment de nourriture supplémentaire pour les enfants, pour les femmes enceintes et les grands tuberculeux. Vous parlez du manque de médicaments, du manque de nourriture. Les médicaments arrivent en Somalie. Nous en avons vu la nourriture aussi. Alors c'est au niveau de la distribution dans les camps. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais il semble effectivement qu'il y ait une fuite entre le moment où ça arrive et le moment où on les obtient dans les camps, que les quantités ne sont pas les mêmes. D'autre part, les médicaments arrivent en Somalie, mais les médicaments qui sont envoyés par l'aide internationale ne sont pas toujours adéquats. On a du matériel très sophistiqué qui ne nous sert strictement à rien et il y a des tas de médicaments de première nécessité qu'on ne peut pas avoir. Alors on ne peut affirmer bien sûr que ce soit une conséquence de la situation dénoncée par cette jeune femme médecin. Mais l'infirmier appelé en toute hâte au chevet de cet enfant ne pourra rien faire pour la secourir.
De même, cette distribution de lait est la dernière avant au moins 15 jours. Et pourtant, elle était nécessaire pour maintenir en vie quelques 500 enfants. Dans ces conditions, il est donc indispensable d'augmenter l'aide que peuvent apporter les pays nantis à ces réfugiés. Mais il faut aussi trouver une solution de rechange à la charité publique. Et c'est peut-être cette tentative qui est faite en plein désert de Djibouti, à quelques kilomètres de la frontière éthiopienne. On a trouvé l'eau à 58 mètres. Et c'est une nappe importante d'après. Oui, ça va débiter autour de 70 mètres cubes à peu près. C'est pas le seul forage qui existe dans la région. Non, il y en a déjà deux à côté, qui se trouvent à côté là, et qui débitent à peu près le même débit. Mais alors, je ne vois pas où est le problème d'eau quand on parle d'eau à Djibouti. Ah bah si, parce que ici ils vont faire, il y a une plantation, là, ils vont faire de la culture là. Alors donc il leur faut beaucoup d'eau pour pouvoir faire des jardins et faire du maïs, un peu de tout. Si on réunit les conditions essentielles d'avoir de l'eau, des sols et du travail, on arrive à faire de l'agriculture. Alors au niveau du travail, les agriculteurs nous ont prouvé jusqu'à maintenant, ça fait 7 mois maintenant qu'ils sont sur le terrain, ça a donné ça. Les sols sont satisfaisants. Et le problème de l'eau vient d'être réglé avec une foreuse, puisque si on va chercher l'eau un petit peu profond, on arrive toujours à en trouver. Autant au niveau agricole, on a un certain nombre de choses à essayer, puisque au niveau agronomique, c'est quand même un petit peu compliqué dans ce genre de climat. Mais autant au niveau social, il nous faut voir comment les gens vont habiter ensemble, puisqu'il s'agit qu'ils se fixent ici. Il ne s'agit pas de les mettre en camp de transit, il s'agit qu'ils soient fixés définitivement ici. Ce modeste projet prévoit de faire vivre sur ces 5 hectares cultivés 12 familles de réfugiés agriculteurs et 12 familles de nomades autochtones. Si cette expérience réussit, cela devrait permettre d'intégrer tous ces réfugiés à la vie nationale en leur fournissant des terres de culture et en même temps de sédentariser une partie de la population. Mais pour cela, la Corne de l'Afrique aurait besoin d'une longue période de paix dans cette région stratégique de la mer Rouge et de l'océan Indien. Depuis que Tito est malade,